Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour la suite de la carrière manager avec Aston Villa. J'espère que vous portez tous très bien. Aujourd'hui, on va faire nos trois matchs habituels. On a un match d'Europa League et on a deux matchs de Première League. Mais avant toute chose, je tenais à vous inviter à me rejoindre sur twitch.tv/supermarque3, tout simplement parce qu'on enregistre les épisodes à l'avance en live stream sur Twitch. Donc n'hésitez pas, on enregistre les épisodes de FC 24. Et tous les autres jeux, et même des fois je stream que pour le plaisir. Anyway, il est écrit enregistrement en cours dans le titre. Vous allez le voir si j'enregistre ou non. Et surtout si j'oublie pas d'appuyer sur le bouton d'enregistrer. Anyway, aujourd'hui on a nos trois matchs. Je vais juste vous montrer ça un peu sur le calendrier. On a le match d'ici qui est contre les derniers de groupe pour l'Europa League. On a Luton Town aussi, qui sont sur le bord de la relégation, mais on a aussi Brighton qui nous attend au détour pour un match de coupe. Donc là, ça va être un petit brin compliqué. Et puis, on va mettre l'équipe 1 face à Falamacao. Je ne sais pas comment on dit, je suis désolé. Anyway, on se retrouve pour les meilleurs moments du match. C'est parti. Let's go. Défense quand même assez. Ouh! Assez serré, j'allais dire Camara sur Jonathan David. L'enroulé! Et c'est déjà 1-0. On est à peine à la 4e minute de jeu. Et Jonathan David a déjà planté un but. Facilite pour le montage. Ça. Oh, Bailey! Léon Bailey sur le côté. Avec la vitesse. Moyen de faire un centre. Ça donne. Et Bailey à Martial. Martial, il y a un débordement. La frappe de loin parce qu'il va pas y arriver. Et c'est arrêté par Junior. Ouh, la belle tête. Oh! Oh, waouh! Waouh! Alors, je ne sais pas quel de mes joueurs qui a fait la deuxième tête, mais c'est probablement la tête la plus faible que j'ai vue de ma vie. Vraiment, pour que ça frappe le dos du gardien et puis que ça rentre pas, c'est assez compliqué. Léon Bailey sur le côté, qui centre devant. Encore là, c'est qui a tiré ça? Martial! C'est le poteau. On va être bon. Wow, il laisse mon joueur tout seul comme ça, le manque de respect. Jonathan David. Oh, Martial, dommage. Allez, la balle en profondeur sur Jonathan David, qui se retrouve tout seul. Il faut que je frappe de loin parce que j'ai souvent les défenseurs qui me rattrapent derrière et qui me battent au physique. Donc c'est pour ça que je frappe d'un petit peu plus loin que d'habitude. Torres, qui ment sur Diaby. Diaby à cash. Cash sur le sang. Ouh là 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 là. La retournée de Léon Bailey. Mais qu'est-ce qui s'est... Oh, j'ai skippé comme un cave. Je voulais revoir le but. Vraiment, le centre de cash était money pour de vrai. Oh non, putain de merde. Et penalty sur... ça qui a décidé de défoncer le joueur. Allez, moi qui ai merde pour les pénaux. Non, ouais, j'étais même pas du bon côté. 2 à 1, mesdames et messieurs. On mène toujours, mais on prendra pas de chance. On va essayer d'en mettre un troisième de suite. Je veux voir la vitesse de Diaby. Ah, oh, c'était sur la ligne. Bon, allez, première mi-temps, c'est 2 à 1. Faut pas leur laisser de chance. On va vraiment les terminer. Et c'est l'objectif de cette mi-temps. Avec le gros défenseur. L'enroulé, sorti nulle part. C'est arrêté. Ah, quel arrêt de Martinez.
Tiabi qui... Il prend les choses en main pour de vrai. Enroulé! Allez, Camara, la grosse frappe, c'est le poteau. Oh mon Dieu. Mais quelle gestion du score. Il y a un truc dans ce jeu que je trouve incroyable, c'est à quel point je suis à chier pour défendre. C'est fou, que ce soit en carrière ou en Ultimate Team, je suis à chier pour défendre. Allez, Diaby, l'arrêt, l'enroulé, et qui nous donne l'avantage. Moussa Diaby, let's go. Oh, Martial, toi, ça, c'est le genre de but que tu mets tout le temps sur fut. Tu prends le ballon dans les pieds d'un défenseur random, ça passe même si t'étais pas supposé prendre le ballon. Allez, Bailey qui pousse, c'est dommage, il a pas été capable de prendre le ballon. Et ben voilà, mesdames et messieurs, victoire 3-2. On en a chié quand même, je vais pas vous mentir. Ça a été quand même un match assez compliqué parce qu'ils sont revenus assez souvent. Donc j'ai pas hâte de voir la suite quand même parce qu'on en globalité, on a quand même eu pas mal de difficultés face à ces équipes-là. Donc oui, j'ai hâte que tout ça soit terminé puis qu'on puisse passer à autre chose. Offre de poste de sélectionneur. C'est la Suède. Non, je suis désolé. Changer souvent les plans d'entraînement. Clément Langlais n'a pas joué récemment. Il serait bon de passer un plan d'entraînement. J'ai pas été capable de lire comme un gogol. J'ai besoin de jouer plus souvent pour Riddle Baku. Oui, ok. Alors de base, il serait supposé. Baku serait supposé être dans l'équipe 1, mais Cash est tellement fort qu'il est dans l'équipe 2. Nous sommes en retard sur le truc, l'objectif. Signer au moins deux joueurs de moins de 20 ans d'un potentiel que la moyenne. Ok. Ça, je pense pas qu'on va le faire en vrai. Offre de transfert pour Traoré de 5,6 millions. On va aller négocier parce que c'est Getafe quand même et voilà quoi. Donc on va peut-être essayer de leur choper 9 millions. Je vais faire 9 millions 5 et vous partez avec. Ouais, 5 millions 6, ça n'a pas vraiment énormément bougé quand même. 7 millions 5, vous partez avec. Ah bah voilà, ça part pas. Toujours trop élevé, dommage. Il va pas partir pour des peanuts non plus. Lotten, ça va être l'équipe 2 qui va affronter Lotten. Le seul truc dans l'équipe 2 que j'aime pas, à part... J'ai pas d'autres buteurs. J'étais pas supposé avoir 4 buteurs. Je veux dire, j'ai Martial, Watkins, David. C'est qui l'autre? Ah, oh, c'était supposé être Bailey, mais Bailey est rendu à gauche. C'était Buendia qui était supposé jouer. Ah! Ah, j'ai un peu fait de la merde. Un petit peu fait de la merde. Donc, on va mettre Jonathan David parce que c'est lui qui a le plus d'énergie. Mais prochaine fois, va falloir qu'on mette. Qu'on repasse Bailey à son poste habituel. Donc, on va le faire tout de suite. Voilà, comme ça. Comme ça, pour le prochain match, je ne vais pas oublier. Anyway, donc c'est l'équipe 2 qui va affronter Lotten, qui ont 7 points, et nous, on en a 25. Mais bon, faut quand même pas sous-estimer les équipes. Et puis, on est parti pour les meilleurs moments de ce match. Face à Lotten, let's go. Allez, Baku sur le côté. Qu'il n'y a personne avec lui, c'est fou. Ouais, mais mon équipe 2, elle est à chier. Ouais. Il y a tellement un écart de jeu entre l'équipe 2 et l'équipe 1, c'est incroyable. What the fuck? Puis ça, c'était un centre.
Mais ils sont à 5 derrière. Putain, puis il y a Kipena qui fait l'arrêt, mais ça rentre quand même, quoi. Puis ils sont 5 derrière, tu te... Oh. Allez, Deli Ali, mais non! Comment, mais... Mais dégagez le ballon, c'est quoi ce jeu? Putain de merde. On est en train de perdre 2-0 contre une équipe qui se bat contre la relégation, c'est pas possible. Let's go Watkins. Watkins, putain, mais ils sont 14. Camara. J'entends David. La frappe croisée. Putain, mais ça touche le quartier. Sérieux. Regarde-le. What the fuck? C'est clair qu'ils vont marquer. Je peux prendre un 3-0 contre une botte tableau. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Jamais j'aurais dû mettre l'équipe 2. Jamais j'aurais dû créer une équipe 2. Putain, c'est pas possible. Il y a un joueur qui est bon dans le lot. Un joueur. Et c'est lui! C'est lui qui fait juste reprendre les ballons. C'est Ramsey qui crie tout. Traoré est même pas à son poste. Oh putain, puis il frappe le poteau en plus. Ah ouais, non, c'est cette défaite, mon gars. C'est clairement une remise en question de toute l'équipe au complet. Le match pourri, toute chose. Pourri. Notre première défaite en plus. Contre une botte tableau. Bon, qu'est-ce qu'ils veulent? Rapport sur les jeunes joueurs. Qu'est-ce qu'ils... Ouh, 82-94, c'est bon ça. 76-84, ouais non. Le 76-84, on va le libérer. Lui, on va attendre un tout petit peu. Ouais, 15 ans. Il y a juste 15 ans, on va attendre. On va attendre, on va attendre. Megan qui est au meilleur de sa forme. Watkins qui a bien progressé. Bailey qui veut jouer parce que supposément qu'il était en forme. Je te jure, Deli Ali, hein, probablement la pire signature. La pire signature. Là, on a 8e de finale. Face à Brighton pour la Carabao Cup et j'espère que ça va bien se passer. Là, c'est l'équipe 1, là, c'est les big boys. Donc, j'espère que ça va bien se passer. On se retrouve pour les meilleurs moments de ce match. Oh, mais Buendia, quelqu'un va l'arrêter, putain! C'est un monstre! Alors, comment j'ai pu le laisser sur le banc? Genre, techniquement, c'est autre chose. Regarde-moi la vitesse de Ziyabi, mais il t'a mangé les joueurs. Oh, le bâtard! Oh, ce qu'il allait mettre! Ce que Ziyabi allait mettre, ça a clairement passé par-dessus le défenseur. Mais regarde-le! Regarde-le, ils peuvent rien faire! Il est pété!
Allez, Diaby. Bah, Diaby est rentré trop vite. Martial. Ah, dommage, la passe aurait été bonne. Oh, Martial qui reprend. Le petit lob. Hi, ça n'a pas passé niveau physique, là. La taille était trop petite aux côtés du joueur. Oh putain de merde. Lallana qui marque. Et c'est 1-0 Brighton. Allez Moreno. Mais il n'y a personne, il n'y a jamais personne. Putain, faut que le joueur fasse tout seul. Bon, on est à la mi-temps. On est en train de se faire buttfuck par Brighton. Ça ne fait aucun sens. Come on. Camara. Bon, sur Martial, au moins on en plante un, mais là, en planter deux après, ça va être compliqué. Oh! Come on. Come on, David. Let's go, il en manque juste un. Il en manque juste un, on égalise. Oh! Compliqué. Comment? Putain, pourquoi? Pourquoi à côté? Comment, man? J'attends. Yes! Let's go, baby! Let's go! Égalisation du score, on peut encore le prendre ce match-là. Oh, putain de merde. Oh! Oh, on peut encore le prendre ce match-là. Non, 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 putain de jeu de merde qui va me niquer. Non! Oh, Diaby! Diaby, t'as la vitesse! T'as la vitesse, Diaby! Diaby! Diaby, putain de merde! Oh, oh, oh. Bon, attends, est-ce qu'il y a prolongation? Quelque chose, ça finit de même. Il y a prolongation. Oh, c'est direct qu'on tire au but, non? Non! Let's go! C'est arrêté! Et nous, on la met en bas à gauche. Voilà, Jonathan! Oh, putain. C'est sûr, si je tire pas du bon bord. Martial. Yes! Ok, passé quand même, ok. Ok, tout se passe bien. Il tire à gauche, lui. Let's go, Martinez. Tillmans, lui, c'est un gars d'en haut. Bah oui. Allez, on n'en a raté aucun. Il reste juste Martinez à arrêter. À droite. Ok. Faut juste le mettre. Il faut. Putain, ça bouge à une vitesse. En bas, à droite. Yes! Allez, c'est bon. On a fait une remontada. Hell yeah! Oh, j'étais sûr que j'allais perdre le match. On passe les huitièmes de finale. On n'aurait jamais dû souhaiter comme ça pour la Carabao Cup. C'est incroyable. Anyway, on gagne sur penalty. C'est au moins ça. Une bonne victoire de 4 à 2. Ça fait aucun sens. On mérite pas de gagner ce match. On a fait une remontée spectaculaire. Les Spurs qui battent Man United. C'est fou quand même. Puis en plus, au prochain épisode, on a quand même des gros matchs, il me semble. Bon, Bailey qui a été déçu de ne pas jouer. Donc je vais pas mettre l'équipe 2 contre un match de coupe quand même.
Offre de transfert pour Traoré. Bon, vu à cette vitesse-là, Benfica, je l'achète. Je le vends à 5 millions 6. Là, c'est bon, j'accepte. Et bon, là, mes joueurs sont pétés, par exemple. Et on a un match de Première Ligue face à Nottingham. Ça va être dans le prochain épisode. Dans le prochain épisode, on. C'est moi, il a une tête assez écrasée, ce joueur-là. Je sais pas, là, mais en tout cas. Prochain épisode, ben voilà, c'est pas encore des matchs super passionnants. Nottingham, Fulham et encore une fois la même équipe. On est toujours promis, donc ça c'est bon. Mais c'est encore jouable pour les autres équipes aussi. Et on a encore un mois à peu près, ou du moins 2 mois avant le mercato hivernal. Donc voilà, donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Super rebondissement de situation. Encore une fois, n'hésitez pas à aller dans le lien dans la description pour la chaîne Twitch où est-ce que je stream les épisodes avant qu'ils soient enregistrés. Ben, du moins, avant qu'ils soient diffusés, je les enregistre en direct sur Twitch. Donc voilà. Et puis je fais plein d'autres streams aussi. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Portez bien tout le monde. N'hésitez pas à aussi à vous abonner et à liker, j'ai complètement oublié. Et donc voilà, je vous dis à la prochaine. Portez bien tout le monde. Peace! Voilà.